Bonjour, Hervé Letellier, vous êtes mathématicien de formation, docteur en linguistique, journaliste, spécialiste des littératures à contrainte. J'espère qu'on aura l'occasion de parler de ces nombreux visages. Toutefois, si vous permettez, j'aimerais commencer par un autre, même si vous en avez certainement marre déjà. Je pense à ce visage qui s'impose et qui, sur le site de l'Oulipo, est résumé en ces termes. Je cite Hervé Letellier, victime du prix Goncourt pour son roman L'Anomalie. Est-ce que c'était votre idée d'informer ainsi les lecteurs du site de l'attribution du prix? Et est-ce que vous vous sentez vraiment une victime du prix Goncourt et dans quel sens, si c'est le cas? C'est une plaisanterie de Paul Fournel, qui est l'ancien président de l'Oulipo et qui, je pense, a voulu concrétiser par cette petite formule l'idée qu'on n'est jamais à l'abri du succès. C'est-à-dire que le pire et le meilleur peuvent arriver et que c'est en gros à peu près les résultats d'une sorte de petit jeu du Kairos, ce dieu grec de l'opportunité. Je ne me considère pas comme une victime du Goncourt, ce serait tout de même très, comment dire, très coquet de dire ça, une coquetterie, quoi. Donc ce n'est pas le cas. Je suis très heureux d'avoir reçu ce prix qui à la fois donne une visibilité énorme au livre L'Anomalie, une grande visibilité à mon travail antérieur, et une très grande visibilité aussi, à mon avis, à l'Oulipo, c'est-à-dire le fait un peu coïncidence que j'étais nommé président de l'Oulipo il y a environ 2 ans et que ça coïncide avec la réception de ce prix a donné un plus grand écho au groupe et à tous ses membres vivants. Les membres antérieurs n'ont pas besoin de ça, mais les membres actuels de l'Oulipo sont parfois moins visibles que ce qu'ils mériteraient d'être. Donc, je suis très très heureux de ce prix. C'est vrai que le Goncourt peut être une malédiction, mais dans mon cas, ça ne l'est pas. Voilà. D'abord parce que ça n'est une malédiction que pour de jeunes auteurs qui ensuite se sentent obligés de refaire un livre capable d'avoir le même succès. Comme j'ai dépassé les millions d'exemplaires, c'est impossible que j'ai le même succès, donc je suis débarrassé de ce projet. Je ne pourrais jamais avoir un succès pareil, donc c'est une grande libération. Et puis, j'ai aussi une habitude de travail et puis des goûts qui ne vont pas être modifiés par l'obtention d'un tel prix. Donc, d'une certaine manière, bien que le Goncourt couronne en général un livre, on peut dire dans mon cas que c'est aussi, non pas que ma carrière soit finie, mais c'est un couronnement de travail, d'un certain nombre d'œuvres que j'ai pu écrire auparavant. De livres tous différents et que celui-là tombait au bon moment, au bon endroit et dans une année dans laquelle il me semblait que les livres de cette nature, qui sont des livres de grande fiction, contrairement à ce que produit souvent la littérature française, qui sont des livres très autocentrés, ce qui ne dit rien de leur qualité littéraire, mais qui sont des livres très tournés vers l'intérieur et très tournés vers le sujet. L'auteur sujet, ce livre a tranché avec la proposition générale de la rentrée, ce qui, à mon avis, est la raison de son succès. Bien sûr, la bande rouge a joué, mais la bande rouge a été attribuée à un livre qui déjà marchait pas si mal que ça, qui marchait assez bien. Donc, ceci explique cela, quoi. C'était une conjonction de situations qui, tout ensemble, ont permis une sorte d'alignement de planète. Et que le livre était un grand succès. Parce que dans un article qui a été publié après l'attribution du prix, j'ai lu une telle phrase, Hervé Letellier, à 63 ans, avait plus de 20 titres derrière lui, tout en restant méconnu du grand public, un peu comme Victor Miesel, son héros. Je pense à cette expression méconnu du grand public, bien que le prix Goncourt, je me permets de le rappeler, ne soit pas votre premier prix. Vous aviez déjà obtenu le prix du roman d'amour en 2007 pour Je m'attache très facilement, ainsi que en 2013 le prix de l'humour noir, dont je vais parler un peu plus tard.
Mais c'était des prix, pour reprendre l'expression de l'anomalie, très parisien, je cite, de ceux dont la bande rouge ne provoque aucune ruée, ce qui n'est pas du tout le cas du prix Goncourt. Mais rappelons, plus d'un, comme vous avez dit, plus d'un million d'exemplaires vendus. Et à sa sortie, en plus, le roman a été sélectionné pour les prix Renaudot, Médicis, Décembre, le prix du roman Fnac et le prix Wepler. Alors que, c'est pas uniquement mon avis, le thème du roman n'était pas forcément très porteur. Tout d'abord, vous êtes un auteur de l'Oulipo, donc ça déjà peut-être, ça n'enthousiasme pas la plupart des lecteurs, peut-être. Plus il y a cette histoire d'avion double qui est très, disons, bizarre et difficile à suivre parfois, peut-être, au premier abord. Il y a des réflexions philosophiques, des réflexions sur les algorithmes. Donc tout ça forme un tout assez complexe pour un lecteur, disons, moyen. Et en même temps, quand même, c'est un roman qui est, comme on le dit en bon français, un page-turner. Et je me demande justement quand est-ce que vous avez commencé à penser à la puissance médiatique de ce roman? Déjà au moment de la Déjà au moment rédaction, de de la l'écriture, ou lecture, après au moment du lancement, je sais pas. Non, j'ai pas du tout envisagé que le livre aurait un tel destin. C'est-à-dire que j'avais envie d'écrire un livre sur un thème précis qui était celui du dédoublement. J'avais commencé par écrire une petite nouvelle en 2018 que j'ai très vite abandonnée, et puis j'ai eu le projet d'un livre plus ambitieux qui en fait aurait été un roman de nouvelles. Ce que le livre est un peu, c'est-à-dire prendre plusieurs personnages, leur faire subir la même duplication, et en fonction de ces situations dans lesquelles je précipitais mes personnages, leur faire vivre une aventure à chacun qui est une aventure différente. L'aventure de celui qui tombe malade, l'aventure de celui qui meurt, l'aventure de celui qui tue un autre, etc. C'est vrai qu'au départ, je ne pouvais pas imaginer que ce serait un tel succès, d'abord parce que c'est vrai que le roman ne fait pas. Il n'y a pas beaucoup de concessions. Bon, j'ai fait un page-turner, je reconnais. C'est-à-dire que j'ai joué avec des codes qui sont les codes du page-turner, qui sont des codes qui m'amusaient et avec lesquels j'avais depuis longtemps envie de m'amuser. J'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs, mais ça n'a jamais été mon projet avant. Je trouvais qu'il y avait dans le page-turner américain quelque chose d'assez drôle, qui était des systèmes rédactionnels. Comme par exemple le cliffhanger, ce qu'on a en fin de chapitre, le truc où on a envie de tourner la page, comme dans Tintin, quoi. Et donc j'ai joué avec ça. Le projet était ambitieux parce que c'était beaucoup de personnages, que ça exigeait du lecteur de s'accrocher pour aller de chapitre en chapitre. Je ne suis pas du tout inquiété de ça parce que j'ai pensé que j'aurais une sorte de savoir-faire technique de romancier qui fait que j'allais pas perdre mon lecteur. En adéquation entre le personnage et le genre littéraire, j'avais la possibilité de retrouver mon personnage dans un nouveau genre à chaque fois, et le lecteur s'y retrouverait. J'étais pas inquiet de ça. Ce qui m'inquiétait un petit peu, c'était la première partie dans laquelle j'avais mes systèmes de présentation de personnages les uns derrière les autres, et il y en avait beaucoup sur quasiment 120 pages ou 130 pages au début, je présente 11 personnages, ce qui est énorme, énorme. Mais je me suis dit, bon, quelle importance. Je ne pensais pas que ça arrêterait mon lecteur. Je pense qu'il y a une habitude maintenant des lecteurs qui est liée à notre rapport au monde télévisuel, aux séries, aux feuilletons du 19e siècle, aux romans, aux sagas, qui fait qu'on peut présenter beaucoup de personnages en très peu de temps. Et puis il y avait ce système que je le disais de genre qui faisait que je m'y accrochais. Donc j'ai pas du tout vu moi arriver le succès du livre. J'étais très heureux de recevoir le Goncourt, très étonné de voir qu'il s'était beaucoup vendu avant Noël, et surtout parce que c'est quand même le cas du Goncourt, la tendance est que c'est un livre qu'on offre. Et donc après Noël, il y a une chute des ventes. Et ce qui s'est passé dans le cas de l'Anomalie, le livre a continué à se vendre. J'étais à 400 000 à Noël, 450 000 à Noël, ce qui est déjà énorme pour un Goncourt, énorme. Et il a continué à se vendre, et là il est à 1 100 000, en comptant le numérique.
1 100 000 exemplaires, c'est inimaginable. Et donc, je me dis aujourd'hui que le livre avait forcément, il avait forcément quelque chose qui pouvait plaire à beaucoup de types de lecteurs, c'est-à-dire des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des gens d'absolument toute origine sociale, et que par le système de la proposition qui était faite, c'est-à-dire l'expérience de pensée, le côté que vous appelez philosophique, mais qui pour moi s'apparente presque plus à une expérience de pensée, mais qui est vrai, ça ressemble un peu au sujet du bac, c'est-à-dire pouvons-nous nous fier à nos illusions? Pouvons-nous croire nos sens? Enfin, c'est ce qu'on a toujours au sujet du bac quand on est un lycéen. Donc, j'avais repris des sujets du bac quasiment avec cette idée de l'anomalie qui, en plus, est un phénomène informatique, donc l'idée d'une virtualité du monde. Et je pense que le livre a étonnamment touché au-delà de ce que moi, enfin, très au-delà de ce que moi j'imaginais, mais même qu'il a pu être offert un peu d'une manière expérimentale par des gens à leurs parents ou à leurs enfants. En disant ça m'a plu, je me demande si ça va te plaire. Parce que c'est un livre qui sort un peu hors du commun, qui sort des sentiers tout à fait. Et donc le côté livre qu'on fait lire aux amis a dû jouer. Enfin, sinon, il n'y a pas d'explication. Il faut qu'à un moment donné, on trouve une explication à un succès pareil. Et c'est pas. On ne force personne à acheter un livre, donc on ne force personne à l'offrir. Donc il y a forcément une raison objective, en tout cas subjective même, qui permet d'expliquer ce phénomène. Et moi, je l'associe à plusieurs choses qui sont d'abord la dimension de page-turner que j'ai volontairement insufflée dans ce livre, le côté multiples aventures, beaucoup de personnages, le côté planétaire aussi, c'est-à-dire le côté on voyage, on est sur toute la planète. On va aller en Chine, aux États-Unis, à Mumbai, on va aller à Lagos. Donc on va découvrir des endroits où on n'est jamais allé, ou peut-être on n'ira jamais. Moi, je suis jamais allé à Lagos, hein. J'ai entièrement fait mon chapitre sur Lagos, sur la base de ce que je lisais, de reportages, et d'un logiciel de déplacement qui s'appelle Google Street, où je me suis promené dans Lagos avec une caméra Google Street, y compris dans les bidonvilles de Lagos. Donc, c'est une plongée dans un monde qui est un monde mondial, avec des personnages de toute nature. Ce qui fait que le livre a son charme en soi, rien que pour ça. Mais c'est aussi pour ça que je l'ai écrit vite, parce que je lui trouvais du charme, moi. C'est-à-dire que je trouvais amusant ce livre à écrire. Ça me faisait vraiment voyager moi-même. Et j'étais forcé de me plier aux directions que prenaient mes personnages. Et si je dois trouver une explication au succès de ce livre, c'est que mon plaisir d'écriture doit se voir à un moment donné chez le lecteur. Je pense que les lecteurs sentent que je m'amuse et ça les amuse eux-mêmes. Sinon, après, je pense qu'on va certainement en économie, en microéconomie, on va étudier le phénomène de ce livre, parce que c'est un phénomène intéressant, économiquement parlant. Il arrive dans une conjoncture spéciale, le confinement. Mais ce n'est pas l'unique raison, parce que les livres ne se sont pas plus vendus. Il y a quelques livres qui se sont beaucoup vendus et celui-là en fait partie. Et c'est étonnant parce que ce n'était pas non plus, je crois je peux l'avouer, ce n'était pas tout à fait ce n'était pas le choix initial de Gallimard. C'est-à-dire petit tirage, 12 000 exemplaires, un retirage, un deuxième retirage, un troisième retirage et ensuite le Goncourt. Mais très objectivement, et ce n'est pas du tout un reproche que je fais à Gallimard, hein, parce que c'était un choix économique tout à fait raisonnable. Ils avaient d'autres candidats. Donc le livre a réussi à se débrouiller tout seul, même s'il n'a jamais été abandonné par la maison d'édition, même si les ventes à l'étranger ont été très suivies par les maisons d'édition, puisqu'il était très vendu à l'étranger avant même d'être sorti, d'être paru. Donc il avait aussi, je pense qu'il avait aussi quelque chose qui en faisait que ce n'était pas tout à fait un roman français comme les autres. C'est-à-dire que les Allemands, les Américains, les Italiens l'ont acheté très tôt, en se disant qu'il y avait quelque chose qui les intéressait dans ce livre. Et je pense que tout ça participe du succès général du livre. Le fait qu'il soit devenu un livre international aussi assez vite, c'est révélateur en fait de ces, entre guillemets,
qualité narrative, sans jeter trop de fleurs. C'est-à-dire, il a quelque chose qui a pu séduire. Voilà. Et au niveau mondial. Et parce que 40 traductions aussi, c'est pas seulement lié au Goncourt, parce que j'en avais déjà 15 ou 20 avant même le Goncourt. Après, ça a été facilité. Mais il a quelque chose comme ça. Et j'ai du mal, moi, à bien comprendre tout. Mais j'y ai quand même beaucoup pensé depuis, parce que j'en ai discuté avec mon agent, avec mon éditeur, pour essayer de comprendre, avec le directeur commercial de Gallimard, pourquoi un livre connaît un tel succès. Je pense que c'est lié à ça. Je pense que c'est lié à ce phénomène de livre pour tout le monde et en même temps de livre littéraire. C'est-à-dire qu'il n'est pas attaquable au niveau littéraire. J'ai des bonnes critiques un peu partout. Et il n'est pas vécu comme un livre de science-fiction. Donc il n'est pas catégorisé en science-fiction. C'est aussi un atout parce que la science-fiction c'est limitatif. Il y a des gens qui se disent, oh, moi j'aime pas la science-fiction et qui vont pas le lire. Là, c'est autre chose. On est un peu ailleurs. Donc ça a dû aider aussi, je pense. Vous avez Vous avez. mentionné cette vente à l'étranger, et là, c'est déjà traduit ou est en train d'être traduit en une quarantaine de langues. Moi, en lisant votre roman, je pensais déjà à sa traduction possible. Je me suis dit à quelle tâche quand même pour un traducteur. Il y a, pour ainsi dire, des moments délicats pour le traducteur. Je me demande si vous collaborez parfois avec vos traducteurs en différentes langues, ce qui fait aussi partie d'être victime un peu du succès du livre, parce que vous avez beaucoup, beaucoup de travail, je crois, aussi à ce niveau-là, hein. Oui, alors j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait auparavant ou de manière plutôt embryonnaire. J'ai créé un doc partagé sur le web, un document partagé où j'avais mis l'intégralité de mon texte et où j'indiquais les difficultés de traduction qui, moi, me semblaient évidentes. Et chaque traducteur mettait ses propres difficultés de traduction, que moi, j'avais d'ailleurs parfois pas vues. Et qui étaient des vraies difficultés de traduction, qui étaient en fait des gallicismes ou des formulations ambiguës. Et donc le fait d'avoir mis en place ce document collectif a permis à une douzaine ou une quinzaine de traducteurs de travailler sur un document unique et de ne pas réinventer la roue à chaque fois. Parce que c'est vrai que lorsque quelqu'un trouve une solution, elle peut être adoptée par d'autres. Je pense à l'anagramme. Je pense à la chute finale, je pense à des moments internes, comme par exemple la reprise dans la version française du dialogue de Close Encounters of a Third Kind, en français c'est Rencontre du troisième type, le film de Spielberg. Si je ne l'indique pas et que j'indique seulement à la fin, il faut que le traducteur revienne au début pour retraduire exactement comme dans l'interrogatoire. Donc il arrive au bout, il fait « Mais merde, c'est l'interrogatoire de Rencontre du troisième type, il faut que je regarde le film. » Et donc, j'aurais tous demandé de regarder le film dans la version locale, puisque ce film a été vu dans tous les pays du monde. Donc dans toutes les versions locales, il y a ce dialogue. Donc c'est un des exemples dans lesquels il faut aider le traducteur, parce que sinon il arrive au bout, il se dit il se fout de ma gueule depuis le début, c'est le dialogue de Rencontre du troisième type. Il ne me l'a pas dit alors que j'ai commencé à le traduire. Il suffit donc d'aller regarder le film une fois pour regarder tout le dialogue, comment il se déroule. Mais je trouvais ça très drôle, enfin, je trouvais ça amusant. Mais je n'avais pas pensé qu'effectivement, il fallait que le traducteur aille voir le. Voilà. Parfois, je mets aussi des éléments en disant attention, ça c'est du Nietzsche, attention, ça c'est Sénèque, attention, ça c'est Kafka. Attention, ça c'est Pouchkine. Alors, je dis ça à la traductrice russe, elle me renvoyait un mail. J'avais bien vu que c'était Pouchkine, ça va. Bon, donc je lui dis, on sait jamais si vous n'aviez pas vu. Voilà. Donc oui, il y a des difficultés de traduction, mais le fait d'avoir mis en place ce système collectif était une idée intéressante que je referais, je pense, parce que d'abord c'est amusant, et ensuite. Ça dit qu'il y a derrière moi une communauté de traducteurs. C'est-à-dire des gens qui travaillent d'une manière unique et en même temps collective.
D'ailleurs, il y a eu une rencontre qui a été faite. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler, mais il y a eu un. Vous pourrez le trouver, mais il y a eu une rencontre à Arles avec tous mes traducteurs, enfin avec 8, 6, 9 traducteurs. Et c'était très intéressant parce que on était effectivement tous à réfléchir ensemble sur un livre qui parfois avait été entièrement traduit déjà et qui était sorti, et d'autres qui étaient en train de travailler sur un livre vraiment en train de le faire. Donc ceux qui avaient fini de le traduire se rendaient compte qu'il y avait peut-être d'autres options. Ils étaient un peu énervés parce qu'ils avaient traduit d'une certaine manière. Mais bon, c'était vraiment un débat intéressant. De toute façon, les questions de traduction sont des questions toujours fascinantes, toujours intéressantes. Il n'y a pas une seule façon de régler la question des traductions. C'est toujours très compliqué. Oui, en fait, ça doit être, en fait, ça doit j'imagine, une ressource formidable aussi pour pour des gens qui travaillent en traductologie. Je suis sûr qu'il y aura des thèses écrites là-dessus, justement, sur cette façon de partager un document avec les traducteurs. Donc, on a mentionné un succès commercial énorme, un succès à l'étranger. Je trouvais une information qu'il y a aussi un pastiche déjà qui est publié, un pastiche de votre roman intitulé L'anomalie du train L'anomalie du train 006,006 Pascal de Fioretto, Pascal avec Fioretto, votre avec votre. introduction. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots là-dessus? Oui, alors, il se trouve que j'ai fait des livres antérieurs qui étaient des pastiches. J'ai fait un livre, deux livres, qui s'appellent Sur la Joconde, où je précipite la Joconde dans un univers proustien, à la Chandler, à la Dante. Bon. Bref, elle subit ce qu'on peut appeler le massacre que peut faire un pasticheur. Donc, je fais du pastiche. Et j'ai un ami pasticheur qui est un très, très, très bon pasticheur. Donc, d'ailleurs, c'est vraiment le métier. C'est-à-dire que juste avant de faire l'anomalie du train 006, il avait fait un pastiche de Houellebecq qui était absolument formidable et qui s'appelait Mélatonine et qui était une sorte de pastiche de sérotonine de Houellebecq. Bon, alors, évidemment. Mélatonine, évidemment, ça fait dormir, alors que la sérotonine, ça rend heureux, mais l'idée était très drôle. Et donc, un ami commun, Pascal Fioretto et à moi, a dit à Pascal, mais tu devrais, pour une fois qu'on a un ami qui a un succès commercial, tu devrais monter sur les épaules de l'éléphant l'anomalie et faire un pastiche de l'anomalie. Je trouvais ça très drôle. Il a fait un formidable pastiche de l'anomalie avec six auteurs français qui se retrouvent dans le train pour Brive, qui est le train de la foire pour Brive, qui est une grosse foire française. Et ce train est dédoublé. Donc les auteurs, avec leur style, sont dédoublés et tous sont en rivalité avec eux-mêmes dans ce train des écrivains. Donc c'est une très bonne idée, d'abord, du strict point de vue narratif, et puis ça reprend à la fois la mienne. Et en même temps, c'est loin, donc c'est vraiment très très réussi. Et j'ai fait la préface parce que d'abord, Pascal est un ami, et puis dès le départ, je lui ai dit que c'était une très bonne idée, que c'était drôle. Et le livre est très réussi, donc j'ai vraiment pas de quoi avoir honte de ce pastiche. C'est un pastiche très drôle. Je suis pas celui qui souffre le plus dans le pastiche. Il y a des auteurs qui sont pour lesquels ni Pascal ni moi n'avons beaucoup d'estime et qui sont pastichés, c'est extrêmement drôle. Et je dois dire que le résultat global est formidable. Mais de toute façon, le pastiche est un. Comme disait, je ne sais plus qui, je crois que c'est Proust. Proust disait que le pastiche, c'était de la critique littéraire en action. C'est-à-dire que d'un seul coup, on s'intéresse à la manière dont écrit un auteur, et en se plongeant dans son écriture, et en se plongeant dans son style, on comprend comment ça fonctionne. Et donc, on finit par faire de la critique littéraire vraiment, comme il le dit, en action, parce que l'action d'écrire permet d'améliorer son rapport de lecteur au texte lui-même, en essayant de faire la même chose, de faire pareil. Et on voit comment ça fonctionne, on voit les ficelles, on voit les câbles parfois, tellement c'est gros, et c'est drôle. Oui, peut-être une dernière question concernant le champ littéraire, sensu largo. Je me demande si tout ce qui s'est passé après l'attribution du prix
à modifier votre point de vue sur le monde littéraire que vous ridiculisez d'ailleurs sur les premières pages de votre roman. Est-ce que vous êtes peut-être maintenant un peu plus indulgent pour ce monde ou au contraire plus cruel? Bon, d'abord, c'est Misol qui est méchant, c'est pas moi. Misol dit des Oui, choses. Oui, bien non, mais sûr. vous avez Oui, raison. bien sûr. Vous avez raison. Mais c'est Misol. Non, j'ai pas changé d'avis sur ce monde. De toute façon, comment dire? C'est pas vraiment un monde. Il y a des lecteurs, et ce sont ces lecteurs qui créent ce monde-là. On ne peut pas accuser le monde d'être le monde littéraire d'être comme il est. Il est créé par ses lecteurs lui-même. Ce sont les lecteurs qui décident que tel livre va être un succès, que tel livre va ne pas être, ne va pas être un succès. Parfois, il y a aussi beaucoup de hasard, beaucoup de chance, beaucoup de malchance, beaucoup de maisons d'édition qui sont moins fortunées, dans tous les points de vue du temps, c'est-à-dire qui ont à la fois des maisons qui sont moins bien placées au niveau éditorial, et puis aussi des maisons qui sont moins puissantes et qui ne peuvent pas soutenir aussi bien un livre qu'elles le pourraient si elles avaient un peu plus de finances derrière elles. Mais globalement, c'est avant tout les lecteurs qui fabriquent les livres. Donc, on a le monde littéraire, d'une certaine manière, qu'on mérite, c'est-à-dire chaque pays crée son monde littéraire. Dans tous les pays, de toute façon, il y a une petite bande de lettrés, de gens qui lisent beaucoup, et qui ne se trompent pas trop, qui vont lire les 200, disons qu'il y a les 200 livres par an qu'on peut lire sur le millier qui va sortir. Et puis, il y a des gens qui achètent très peu de livres et qui achètent presque toujours les mêmes. Et c'est pas grave, on sait que c'est comme ça. Enfin, il n'y a pas d'adéquation entre le succès littéraire, il n'y a pas de ressemblance, enfin, il n'y a pas de point commun entre le succès littéraire. Le succès commercial, parce qu'on peut avoir un succès littéraire sans avoir un succès commercial, et le succès critique. On peut avoir un très bon succès critique sans avoir un succès éditorial et sans avoir un succès commercial. Donc tout ceci est dissocié. Il y a de très bons livres qui ne marchent pas, il y a de très mauvais livres qui marchent, c'est comme ça. Et puis, j'avais pas un avis très féroce non plus hein, sur le monde littéraire. Je ne suis pas très méchant. Hein. Je l'observe comme tout le monde depuis 30 ans. Je constate qu'il y a des injustices, mais il y en a bien, elles sont bien pires dans la vie. Il y a des succès immérités, il y a des échecs qui ne méritent pas d'être. Voilà, il y a des gens que j'ai énormément aimés comme lecteurs et qui n'ont jamais connu de succès. Bon, c'est comme ça. Parmi les plus grands auteurs français, Marcel Schwob, Vialat, qui est très connu mais qui est très peu lu, on pourrait multiplier les auteurs comme ça qui n'ont pas connu un grand succès. Donc après, quand soi-même on en connaît un, on se pose même parfois la question de savoir si on s'est pas trompé, si quelque part il n'y a pas un quiproquo. Est-ce qu'on touche les bons lecteurs? C'est plus très grave au bout d'un moment, c'est pas dramatique. Mais on s'interroge. Moi, je me suis interrogé, hein, c'est-à-dire, est-ce que mon livre est si bien que ça? J'aime beaucoup mon livre, mais est-ce qu'il est si bien que ça? J'ai quand même beaucoup vendu. C'est étonnant, pourquoi j'ai vendu autant? Ça inquiète parfois, ça inquiète. Mais bon, on ne va pas commencer à se dire que tous les livres qui marchent sont mauvais. C'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça. Surtout quand soi-même, on a fait un livre qui marche. Mais c'est pas, je ne considère pas que ce soit mon meilleur livre. Enfin, je suis pas capable de juger, mais ça ne me semble pas être mon meilleur livre. Mais ça me semble le livre le plus construit pour être un succès. Ça, c'est vrai. Je me suis amusé à ça. Et j'ai pris du plaisir à l'écrire, et je ne le regrette pas, et je l'aime beaucoup, et il me fait rire. Mais c'est peut-être pas le livre intimement que j'aime le plus. Mais c'est pas grave. Et puis les livres que j'aime le plus changent. C'est-à-dire que ça dépend des jours. Et puis parfois je fais des livres minuscules que j'aime énormément, donc tout va bien. Au début de notre entretien, vous avez souligné que vous sentez que le prix Goncourt pour l'anomalie est en quelque sorte le prix pour tout l'Oulipo qui se trouve récompensé, sans minimiser bien sûr votre apport personnel.
Et parce que je pense parce qu'à l'occasion du festival Conrad, j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer Jacques Jouet et aussi des auteurs du collectif Voyage d'hiver, donc Marcel Benabou, Frédéric Forte, Yann Monk. Et ce qui m'a frappé à chaque fois, c'était un mélange singulier de la passion, du professionnalisme et en même temps de la distance à l'égard de la littérature. Est-ce que vous vous reconnaîtriez dans une telle attitude? Est-ce que vous partagez ce comportement à l'égard de la littérature elle-même? On ne vous entend pas? Oui, j'avais coupé et oublié d'en mettre. Je vois ce que vous voulez dire et je connais bien Jacques. Jacques est un très bon auteur, par exemple, qui connaît peu de succès. C'est-à-dire, les livres de Jacques ne se vendent pas à des dizaines de milliers d'exemplaires. C'est injuste, mais c'est comme ça. Voilà. Frédéric Forté, qui est un beau poète, a choisi d'être un poète. Donc, les livres de poésie ne se vendent pas non plus énormément. Alors, il y a une méfiance vis-à-vis de la littérature, peut-être, mais en tout cas, moins une méfiance qu'une distance. C'est-à-dire, on écrit tous, les uns comme les autres, comme des artisans. C'est-à-dire, sans croire trop au mythe de l'écrivain inspiré, avec la muse qui se penche sur son épaule. Ça, on n'y croit pas du tout. On sait à quel point il y a du travail derrière un texte. On ne croit pas non plus, je pense, à cette idée que le premier jet est le bon. Je pense qu'il y a beaucoup de retravail derrière aussi. Donc cette idée de retravail est permanente. Et c'est pour ça qu'on d'ailleurs on utilise la contrainte. Parce que la contrainte nous évite le premier jet. C'est un point commun à tous les oulipiens. Je pense que tous les oulipiens écrivent vite. C'est pour ça qu'ils se freinent. La contrainte est un frein. Pérec disait que il utilisait la contrainte pour se freiner, pour aller moins vite, parce qu'il pouvait écrire très vite. Donc il y a un petit peu ça chez tous les oulipiens. Et puis il y a cette même méfiance quand on rencontre un succès, comme qui est la méfiance de Queneau avec Zazie dans le métro. Quand il connaît un grand succès avec Zazie dans le métro, il se dit que il a dû forcément avoir comme lecteur des gens qu'il n'avait pas forcément estimé possible d'avoir. Donc il y a cette idée de confusion. Mais moi, ça me paraît vraiment pas très grave. Et c'est vrai que chez les écrivains de l'Oulipo, il y a ce grand professionnalisme dont vous parlez, qui fait que jamais on ne tombe dans le mythe du grand écrivain. Le grand écrivain est quelque chose qui nous fait sourire. Je comprends très bien que pour le marché, on ait besoin du mythe du grand écrivain. Parce que le grand écrivain, c'est une sorte de garantie de sécurité pour le lecteur lorsqu'il achète un livre. Il se dit, ah, j'achète le livre d'un grand écrivain. Mais nous, ça nous fait sourire. Donc, et on peut le faire parce qu'il se trouve qu'à l'Oulipo, on a des très grands écrivains. On a Jacques Roubaud, on a, pour prendre un vivant, mais on a aussi Italo Calvino, on a Pérec, on a Queneau, donc on n'a pas à rougir des membres de l'Oulipo, bien au contraire, on est très fiers d'avoir des membres pareils parmi nous, mais ni les uns ni les autres n'étaient dans ce mythe et ne participaient à la construction du mythe du grand écrivain. Et finalement, c'est très rassurant et c'est très reposant aussi, parce que ça ne donne aucune injonction. On n'est pas forcé d'agir selon le mythe. On fait ce qu'on veut. Et même on peut faire des choses dérisoires, on peut faire des choses minuscules, on peut faire des choses sans importance. Et c'est aussi notre force, parce que si vous avez vu par exemple le voyage d'hiver, mais le voyage d'hiver c'est un jeu. C'est-à-dire qu'on a au départ le texte de Pérec, ensuite le texte de Roubaud, et puis ensuite j'ai initié le jeu en reprenant ce que personne n'aurait peut-être osé faire, reprendre le texte de Pérec et de Roubaud pour écrire le voyage d'Hitler. Et tout le monde s'est dit, oh ben si le tellier il ose reprendre ça, allez, on a tous le droit de le faire. En gros, je résume, mais c'est ça qui s'est passé. Et donc, tout le monde a repris le voyage d'Hitler. Juste après, il y a eu Jacques Jouet qui a fait le voyage d'Hoover. Non, il a fait le voyage de quoi, Jacques?
Je ne sais plus ce qu'il a fait. Enfin, il a enchaîné les choses, et puis finalement, on a eu une production énorme, où chacun s'amusait, quoi. Donc l'idée de s'amuser avec un projet littéraire, c'est aussi une forme de rejet du mythe du grand écrivain, parce que le grand écrivain ne s'amuse pas. Le grand écrivain est pris dans la construction de son œuvre et dans la création de son propre mythe et de son propre tombeau. Nous, on ne crée pas notre tombeau, d'abord parce que on ne meurt jamais, on est excusé pour cause de décès. Et donc, on n'a pas besoin de tombeau, l'Oulipo sera notre tombeau vivant. Donc, autant que, on ne soit jamais tombé dans le mythe du grand écrivain. Oui, en changeant un peu de sujet, je voudrais aborder un autre pan de votre activité, mais qui est bien évidemment aussi lié à votre activité littéraire. C'est une activité littéraire parce que vous étiez aussi chroniqueur dans les années 90 sous le pseudonyme de Docteur H. À la Grosse Bertha, qui refondera Charlie Hebdo. Ensuite, vous avez collaboré à plusieurs journaux, dont Le Monde aussi, par un billet d'humour intitulé Papier de verre, à la revue Nouvelle Clé, puis Mon Lapin Quotidien, Le Canard Enchaîné, un grand classique de la presse satirique française. Vous êtes l'un des fondateurs des Amis de Jean-Baptiste Botul, qui est aussi connu en Pologne parce que sa vie sexuelle d'Immanuel Kant a été traduite en polonais. Et j'ai déjà mentionné que vous avez aussi reçu le prix de l'humour noir pour votre traduction factice, en fait, des Contes liquides de Jaime Monstrel, un auteur portugais dont vous avez inventé l'œuvre et la biographie. Vous êtes enfin l'auteur du livre Moi et François Mitterrand. Et en un mot, vous êtes un auteur de satire, un auteur d'humour connu et reconnu. Et je me demande justement ce que vous pensez de la situation de la satire, de l'ironie, de l'humour aujourd'hui dans la littérature contemporaine, dans la presse aussi. Je pense bien évidemment à tout ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Est-ce que vous voyez des changements qui se sont effectués pendant ces dernières années, ces 20 ou 30 dernières années même, sur ce champ? Oui, il y a des gros changements. Il y a des gens qui n'ont pas changé, qui sont restés les mêmes et qui continueront à faire la même chose. Charlie, il continue à faire pareil. Ils ont décidé de ne pas avoir peur et de continuer à produire des choses qui sont satiriques, méchantes, parfois bêtes et méchantes, hein. Mais il faut une part de bêtise parce que, en fait, dans la méchanceté bête, d'abord, elle n'est pas si bête que ça, souvent. Mais il y a l'idée d'amener l'autre à se dire, non, ils exagèrent, non, ils exagèrent. Voilà. Et c'est bien de se dire que l'autre exagère. Parce que ça permet de savoir jusqu'où soi-même on peut aller. Donc l'idée d'un humour violent et féroce, moi j'aime bien. Quand je travaillais au Monde, j'étais pas dans cet humour-là parce que, autant je l'aimais quand je travaillais à Charlie, enfin pas à Charlie, mais à la Grosse Bertha, autant au Monde c'était pas possible parce qu'il fallait que j'adapte mon trait d'humour, il fallait que je l'adapte à un lecteur qui était le lecteur du Monde. Et pendant 14 ans, à peu près, j'ai effectivement été un chroniqueur qui était un chroniqueur qui travaillait en fait sur l'actualité et qui essayait de produire à chaque fois sur un sujet donné un vitz, un trait d'humour. Et j'essayais de le produire d'une telle façon que ça ne choque personne et de ne pas avoir un mail bombing. Généralisé à chaque fois que je sortais un article, quoi. Mais oui, je pense qu'il y a des modifications. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'autocensure, énormément d'autocensure. Parfois par peur, parce que savoir qu'on risque sa vie pour un trait d'humour, c'est quand même un peu. Ça fait peur, hein, on ne peut pas ne pas avoir peur. Ensuite, parce que. Il y a aussi une pression sociale qui fait que toute une série de choses deviennent difficiles à écrire parce qu'il n'y a plus du tout de compréhension de ce que c'est que la littérature. Je vais prendre. Et donc, il y a une sorte d'autocensure incompréhensible lorsqu'on est un écrivain,
mais compréhensible lorsqu'on sait dans quel monde on vit, qui fait qu'on hésite à produire du texte qui pourrait choquer telle ou telle catégorie de personnes. Je vais prendre un exemple dans l'anomalie en particulier. Dans l'anomalie, il y a un passage avec lequel j'ai eu du fil à retordre avec plusieurs éditeurs, en Allemagne en particulier et aux États-Unis, qui est un passage où on est dans la tête d'un raciste. On est dans la tête d'un raciste et ce raciste s'exprime sous une forme littéraire qu'on appelle le discours indirect libre, c'est-à-dire que comme dans tous les bouquins de Philip Roth, on rentre dans la tête du personnage et on l'entend parler. Et donc ce personnage raciste, il dit le mot nègre. En fait, négresse, parce qu'il parle d'une personnage qui est Johanna, qui est une fille noire, avocate extrêmement brillante. Mais lorsque, en face d'elle, se trouve un dirigeant d'une industrie pharmaceutique du Sud, lui pense négresse. Et c'est normal qu'il pense négresse. C'est un raciste né. Il est né avec l'idée de l'infériorité des Noirs. Et donc, il pense ça. Bon. Donc pour moi, il y a une nécessité de mettre le, pour moi, il y a une nécessité de mettre le mot négresse. Une nécessité parce que on est dans sa tête. Ce qu'on veut provoquer chez le lecteur, c'est justement la colère. On veut que le lecteur soit en colère contre cette personne qui est raciste. Et pour avoir cette colère, il faut que le mot soit présent. Il faut que le mot provoque la colère. Si dans un livre, on élimine le mot nègre parce que il va choquer effectivement, les gens de couleur noire, ça pose le problème de la lecture d'un texte. Il faut que la violence de la société telle qu'elle est soit présente dans les romans. Et c'est là que je vois le plus grand danger actuellement, c'est l'incapacité de, même pas du second degré, mais l'incapacité d'une lecture intelligente d'un texte par toute une série de gens qui, parfois d'ailleurs, le lisent volontairement mal parce que c'est pour eux une source de pouvoir. Pour être extrêmement franc, je pense ça. C'est-à-dire que toute une série de gens qui attaquent les auteurs sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas lieu d'être attaqués, le font parce que c'est pour eux une manière de se positionner dans la société qui leur procure du pouvoir. Donc ce n'est pas du tout anodin. C'est une méthode qui s'apparente en fait à une méthode totalitaire, quoi. Et ça me fait peur. Ça, je suis très inquiet de voir la prise de pouvoir des sensibility readers, d'un certain féminisme bête qui se trompe sur ses ennemis et d'antiracistes qui, en fait, ne voient pas que en s'attaquant à des livres qui, eux aussi, sont antiracistes, ils coupent les mains à des combattants. Parce que moi, je suis profondément féministe antiraciste, et quand je vois des réflexions bêtes sur ce que j'écris parce que je les mets dans la bouche de personnages, ça me fait peur. Ça m'inquiète. Ça, c'est une évolution sociale qui m'inquiète, parce que j'ai l'impression que la nuance et l'intelligence du texte disparaît. Peut-être je me trompe, hein, mais j'ai cette sensation-là depuis un certain nombre d'années, et que ça va croissant. Voilà. Et que ça interdit, en fait, la réflexion sur le monde. J'ai un ami qui a récemment écrit un livre qui est un livre documentaire sur les routiers. Donc, c'est les gens qui conduisent des camions. Dans ce livre sur les camions, il écrit à un moment donné qu'un routier qui l'interroge dit la rousse au bar. La rousse au bar. Donc, la fille rousse qui est au bar. Une sensibility reader, enfin, une fille qui lit ce texte et qui a comme charge de vérifier que personne ne peut être choqué, dit, mais moi, en tant que femme, ça me choque d'être ramenée à un concept de rousse. Mais c'est pas le sujet, c'est le routier qui s'exprime. Si on ne veut pas dire que le monde est comme il est, il faut vivre dans un autre univers. Enfin, s'il faut améliorer le monde, il faut quand même savoir de quel monde on parle, quoi. Et interdire, enfin, parce qu'elle a fait interdire le livre pour la rousse au bar et pour d'autres choses, mais entre autres, il y avait la rousse au bar. Je trouve ça hallucinant, quoi. Hallucinant. Et moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète parce que ça fait plusieurs fois que ça se produit avec plein de gens que je connais. L'histoire de ce livre pour enfants qui raconte l'histoire d'une petite esclave noire arrachée à l'Afrique et emmenée dans les champs de coton pour travailler
et dont ce livre qui est un livre très beau, écrit par un blanc, a été interdit aux États-Unis et n'a pas pu être publié aux États-Unis parce que c'est un homme blanc qui écrit sur une femme noire, ça me paraît fou. Ça me paraît fou. Je suis absolument. Enfin, je veux dire, c'est comme si on intéressait, si on interdisait à un homme noir de parler d'une femme blanche, quoi. C'est du même ordre. Enfin, les auteurs ont tous les droits, quoi. Plus ça va, plus je me dis que je suis un farouche opposant à la moindre régulation en matière d'écriture. Parce que ça m'inquiète trop de voir la prise de pouvoir d'individus qui n'ont absolument pas comme vocation la libération de l'autre, mais au contraire, d'utiliser le discours de la libération pour eux prendre le pouvoir. C'est clair. Et ça m'inquiète. Ça, c'est nouveau, ça. Et ça, c'est pas. Ça interdit l'humour. Ça interdit aussi l'humour. Parce que l'humour est toujours. Vise à se moquer de soi, systématiquement, mais parfois aussi à se moquer des autres. Parce que si on ne peut pas se moquer des autres, on ne peut pas non plus faire évoluer la société. Il faut pouvoir se moquer des musulmans, il faut pouvoir se moquer des chrétiens, il faut pouvoir se moquer des femmes, se moquer des hommes, se moquer des noirs, se moquer des blancs. Ça n'a pas d'importance, on a le droit de se moquer de tout. Je suis maintenant beaucoup plus radical qu'avant. Avant, je me disais, il faut parfois modifier le discours. Maintenant, je suis plus radical que ça. Je pense que tout discours qui vise à contrer la liberté est un discours d'emprisonnement. Et ça, c'est une évolution, en tout cas pour moi. Et j'ai l'impression que la société va dans l'autre sens. C'est ça qui m'inquiète. Je ne sais pas comment c'est en Pologne, mais en tout cas en France, il y a ce phénomène-là. Alors j'ai réussi en Allemagne à obtenir que le livre soit traduit exactement comme je voulais, en envoyant un SMS en disant qu'à toutes les pages, quelqu'un pouvait être choqué, et que donc je déconseillais ce livre à tout lecteur. Et ça a calmé le jeu. J'ai dit aussi qu'il y avait un personnage qui tuait plein de gens et que c'était mal. C'est pas bien de tuer les gens. J'ai dû expliquer que c'était pas bien de tuer les gens. Parce que c'est drôle parce que c'est quelqu'un traite quelqu'un de noir, de nègre, un noir de nègre, ça choque. Mais quelqu'un qui tue d'autres personnes, ça choque pas. Alors c'est beaucoup plus choquant quand même. Ça, donc là, on a le droit de tuer les gens dans les livres, mais on n'a pas le droit d'utiliser les mots. Ça, c'est une folie, quoi. Bref. Oui, jusqu'à maintenant, j'ai laissé un peu de côté la conversation au sujet du contenu du roman parce que je trouve qu'il est assez difficile de parler de ce roman sans gâcher le plaisir de ceux qui ne l'ont pas encore lu. Alors que ce n'est que maintenant que ce roman devient accessible en polonais. Et même, je dis maintenant un peu en termes anomalistes, parce qu'on parle début octobre et l'entretien n'est diffusé que fin octobre. Donc, entre-temps, je sais pas, je peux mourir, vous pouvez être compromis dans une affaire politique, banni, expulsé, interdit, je sais pas. Mais quand même, essayons de parler sans justement saboter le plaisir de ces futurs lecteurs polonais. Et commençons peut-être par son titre. L'anomalie, est-ce qu'il est apparu dès le début de la rédaction ou bien vers la fin, au moment du coronavirus? D'ailleurs, il y a une petite allusion au coronavirus dans le roman. Et vous avez dit que vous l'aviez écrit très vite. Donc, quand est-ce que le titre est apparu et quel sens? Est-ce que ça a pris un peu après, peut-être? On vous entend pas? Attention. Je l'ai écrit très vite parce que je l'ai écrit dans la période de 2019. Donc, je l'ai commencé vraiment à l'écrire. Je l'ai présenté à mon éditeur en 2018, en septembre. J'ai commencé à l'écrire en 2019, janvier. Et je l'ai fini en décembre 2019 en m'accordant un mois supplémentaire pour le réduire. C'était trop long. Le titre, je l'ai trouvé tout de suite. Et je dois avouer que chez mon éditeur, on n'était pas très chaud pour ce titre. C'est-à-dire, on le trouvait plat. Alors, j'étais d'accord, c'est-à-dire, oui, c'était un titre plat. Je reconnaissais que c'était un titre plat,
je trouvais qu'il correspondait exactement à ce que je voulais dire, c'est-à-dire un phénomène qui était à la fois ce qu'on appelle une rupture de continuité, donc une anomalie, mais aussi, de manière informatique, un bug. Et puis enfin, je trouvais que littérairement, c'était une anomalie, c'est-à-dire que c'était une proposition littéraire tout à fait anormale. Beaucoup de personnages, beaucoup de styles différents, toutes les formes narratives possibles qui allaient du mail en passant par la lettre, en passant par l'interrogatoire, en passant par la chanson, le poème, la prose, l'article de journal. Enfin, il y avait tout dans ce livre. C'était volontaire. Je voulais absolument qu'il y ait tout dans ce livre qui représente les formes, disons, d'expression littéraire du monde. La forme du SMS étant un peu absente, mais c'est tout. Il y avait quelques textos quand même dans la partie réaction mondiale à la duplication. Mais c'était une anomalie de ce point de vue-là aussi. Et puis avec le succès, le livre est devenu, enfin le titre du livre est devenu excellent, c'est-à-dire c'était très mémorisable. C'était aussi une anomalie en termes de succès éditorial. Donc à tout point de vue, ça devenait une sorte d'ironie. Chose qui d'ailleurs accrédite l'idée qu'on est vraiment dans une simulation. C'est-à-dire que la simulation a de l'humour puisque elle a permis que ce livre qui parle d'elle soit extrêmement visible. Donc maintenant, on n'a plus d'excuses. On sait que la simulation est là pour... voilà. Donc, oui, c'est difficile d'en parler sans le spoiler. Disons que ce qui fait pour moi l'intérêt de ce livre au niveau de l'idée narrative, c'est que souvent la confrontation au double, qui est l'idée quand même centrale de ce livre, la confrontation au double, elle est traitée sous trois formes. La forme qu'on peut appeler la forme de l'usurpation, c'est-à-dire Amphitryon, sosie, enfin la forme mythologique de l'usurpation, où Zeus va s'emparer des apparences d'un roi Amphitryon pour, comme d'habitude, aller coucher avec sa femme, ce qui est quand même le principal objectif de Zeus, c'est coucher avec les femmes des hommes. Le deuxième... topos du double, c'est ce qu'on peut appeler l'ennemi, c'est-à-dire celui qu'il va falloir combattre, mais qui est nous-mêmes. Alors soit c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, soit c'est le vicomte pourfendu de Italo Calvino, soit ça peut être encore un livre comme, je sais pas, un livre des contes d'Hoffmann, enfin, on imagine bien ce que c'est que l'ennemi, quoi. Et puis enfin, il y a le miroir, miroir déformant ou miroir pas déformant. Le double de Dostoïevski relève à la fois de l'ennemi et du miroir, mais aussi, par exemple, le portrait de Dorian Gray, qui est l'idée du double, l'un qui vieillit, l'autre qui ne vieillit pas. Donc, cette idée du double, elle est très présente dans la littérature. Mais jamais on n'avait traité vraiment, en tout cas pas à ma connaissance, l'idée du double qui serait vraiment confronté à lui-même, mais avec quelques mois de différence. S'interroger sur qu'est-ce qui change en nous en quelques mois. Et là, ça me paraissait fictionnellement intéressant parce que je n'avais pas connaissance d'un texte qui aborde cette question de qu'est-ce qui nous arrive en 3 mois qui fait que nous sommes à la fois les mêmes et différents. Et c'est ce qui a motivé en fait la création des personnages parce que c'est chacun des personnages a été créé en fonction de cette question fondamentale des 3 mois de différence. Et qu'est-ce qui, en fait, dans nos personnalités, fait qu'on est tous capables d'une réaction différente par rapport à un double? Alors le tueur, évidemment, a été inventé pour qu'il puisse se tuer lui-même, parce que sinon, moi, je ne me tuerais pas moi-même, c'est sûr. Je négocierais, mais je ne me sacrifierais pas non plus. Donc j'ai inventé le personnage de Johanna pour qu'elle puisse, elle, être l'incarnation du sacrifice. Avec cette nécessité du sacrifice, puisque son double est enceinte. Et donc qu'elle a un avantage compétitif énorme et qu'on ne peut pas se battre contre une femme qui est soi-même, d'abord, et on ne peut pas détruire non seulement un couple, mais un enfant. Donc elle décide de disparaître parce qu'elle voit bien qu'elle n'a aucune chance de survie, ni elle, ni son double d'ailleurs, dans un tel trio, quoi. Donc entre le suicide et l'assassinat, il y a toute une panelle de situations que j'ai envie de traiter et qui font que le livre a cette diversité. Voilà, cette diversité. Et ça, c'est lié à quelque chose que j'avais jamais fait auparavant, c'est-à-dire inventer des personnages
à partir de situations. En général, quand on écrit un roman, on invente un personnage et on le précipite dans une situation. Et puis, il y a des péripéties, etc. Moi, j'ai fait exactement l'inverse, ce qui fait que c'est aussi un étonnement de voir le succès du livre, c'est que c'est l'inverse d'une démarche littéraire classique. J'ai pris des situations toutes différentes et j'ai fait ce qu'on peut appeler au cinéma une distribution. C'est-à-dire que pour chacune des situations, j'ai choisi un personnage qui pouvait l'endosser. Et j'ai ensuite créé le personnage le plus plausible possible et le plus dense possible, parce que j'avais peu de place. Chacun des personnages a 30 pages pour exister. 30, pas plus. Donc c'est peu. Donc ça veut dire qu'il faut aller très très vite pour les présenter. Donc Blake est présenté très vite, André est présenté très vite, Johanna est présentée très vite. Mais je vais vite, mais en même temps, je ne crois pas que je les perde. C'est-à-dire que mes personnages sont très ancrés dans qui ils sont. C'est pour ça que la première partie est très importante. Parce qu'après, on va vouloir les retrouver face à la situation. Et pour ça, il fallait les créer de manière extrêmement intense. Et réfléchir énormément à qu'est-ce qui les constitue, qu'est-ce qui, dans leur jeunesse, fait qu'ils sont devenus. Qu'est-ce qui. Alors, c'est le cas pour Johanna, où on voit sa jeunesse. C'est le cas pour Blake, où on voit sa jeunesse. On voit moins la jeunesse d'André, parce qu'elle est trop loin. Mais on voit l'adolescence de, par exemple, Lucie, qui n'a cessé d'être convoitée par les hommes, et qui en a assez. On voit la jeunesse chez Markle aussi, avec le mariage de son frère. Donc, ce sont des moments de vie dans leur existence, des moments, des photographies, qui permettent de les ancrer dans une réalité. Et c'était très important pour moi d'avoir ce phénomène-là pour pouvoir justement créer un roman de nouvelles, un roman de roman. Et voilà, ça répond un peu à la question, je crois, mais sur la construction du roman et sa diversité. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En lisant le roman, j'avais l'impression qu'on pourrait lui donner cette appellation générique qu'avait donnée Pérec à La vie mode d'emploi, roman au pluriel, n'est-ce pas? Parce que ça correspond aussi en quelque sorte à sa structure. Donc vous avez dit que vous avez écrit votre roman en 2019, ça a paru en 2020 et les événements ont lieu en 2021. Donc, ça donnait une impression un Une peu impression un peu. bizarre en 2020 déjà, et en 2021, quand on est après en fait les événements romanesques, ça donne un autre type d'étrangeté, je dirais. Ah oui, il y a deux questions, et je vais y répondre dans l'ordre. La première, c'est que j'ai ajouté, alors non pas le coronavirus, que j'avais mis le nom de coronavirus dans le chapitre sur toutes les options possibles dans le protocole, mais en revanche, j'ai ajouté la phrase dans le discours de Macron qui était déjà écrit et qui était comme vous avez déjà fait lors du premier confinement. Donc j'ai écrit en mars puisque c'était le dernier moment pour les épreuves, c'était mars. Donc en mars on était confinés et je pensais qu'il y en aurait un deuxième et un troisième. Et donc j'ai ajouté la phrase premier confinement, ce qui était une sorte de pari sur l'avenir, un peu pessimiste, mais bon, comme disait l'autre, le pessimiste sait qu'il était déjà trop tard. L'idée d'un confinement à venir m'était absolument évident. Ça allait forcément arriver, il y aurait un nouveau confinement. Donc j'ai écrit cette phrase, et le livre a donc été écrit dans cette perspective-là. Avec l'idée que je mettais un petit peu d'actualité dedans, parce que je savais que ça allait compter pour les gens l'année 2020, et que le livre allait sortir peut-être en un moment où la pandémie allait être encore présente. Donc j'avais un peu anticipé cette chose-là. Et puis, là, avec la question des dates, vous mettez le point sur un regret, en fait, qui est intéressant d'ailleurs, qui est un regret a posteriori. Lorsque j'ai écrit le livre, j'ai d'abord pensé que je voulais donner à lire. La durée des livres est courte en général. La durée des livres, c'est 4, 5, 6 mois. Ils sortent et après ils sont morts ou ils sont vivants. Il se trouve que le mien, il est très vivant. Mais la plupart des livres ont une durée de vie relativement courte. Et donc je voulais proposer une perspective qui était une perspective à 1 an. Donc je voulais que le livre se déroule 1 an plus tard après sa sortie. Donc en juin, quoi. En gros, en juin. Puisque je décrivais le passage de mars à juin, mais que le livre commence vraiment en juin.
Et pour, dans cette perspective, je proposais aux gens de regarder un futur proche. Et voilà ce qui va arriver. Et j'avais plutôt prévu que, je dois, là je me suis trompé, je pensais que Trump serait réélu. Alors je ne l'ai pas nommé, mais je pensais qu'il serait réélu parce que franchement, il n'y aurait pas eu le coronavirus, il aurait été réélu. Voilà. Pour dire simplement, il n'y aurait pas eu l'énorme crise du coronavirus. Je pense que la structure électorale américaine, les lois électorales américaines, le découpage électoral américain favorisent les républicains de manière systématique et qu'une fois de plus, il aurait été réélu. Ça s'est pas passé. Et la proposition, donc, c'était un futur proche. Aujourd'hui, les gens qui le lisent dans un passé proche. C'est ce qui s'est passé. Et ce que leur dit la fin, c'est quelque chose qui m'intéresse encore plus. Ça leur dit, c'est ce qui s'est passé, mais pas dans ton monde, dans un monde qui s'est déroulé, mais il y a eu un redémarrage. Et tu te retrouves à avoir vécu dans une autre flèche du temps, dans un autre embranchement temporel dans lequel tu peux lire ce livre comme étant une fiction. Alors que crois-moi, ça n'a pas été une fiction pour beaucoup de gens. Ça a été vraiment vécu pour des gens simulés, mais qui ont vécu ça. Et si j'avais réfléchi à cette chose-là, j'aurais placé le livre en 2020. C'est-à-dire que j'aurais proposé aux gens de lire un livre en août 2021, de lire un livre qui sortait en août 2020 et qui se passait de mars à juin 2020. C'était beaucoup plus, enfin, c'était pas plus intéressant parce que c'est ce que vous allez lire là en Pologne. Vous allez lire un livre qui se passe dans un passé proche. Mais en proposant cette lecture de 2020, c'était plus intéressant encore, en fait. Parce que ça disait quelque chose d'une potentialité d'un reset du monde, d'un bouton de redémarrage, et qui aurait redémarré sans doute ben justement juste avant, juste après le discours de Macron sur le coronavirus, quoi. Où là, ça aurait été autre chose. Donc il aurait redémarré, par exemple, en mars 2010, 2020. C'est le moment où il aurait vraiment redémarré. On l'aurait fait redémarrer avant l'apparition, enfin avant la duplication de l'avion. Il aurait juste redémarré juste avant. Et ça, je veux dire, c'est un petit regret. Et j'aurais pu à ce moment-là mettre des indices, c'est-à-dire raconter un fait qui se passait en avril 2020 et qui ne s'était pas produit. Et ça aurait questionné les gens. J'aurais dit, il s'est passé quelque chose le 20 avril 2020, le livre sort le 20 août 2020, et les gens regardent et ils disent, non, il ne s'est pas passé ça en 2020. Et donc ça aurait été quelque chose qui aurait été fictionnellement et philosophiquement intéressant à proposer. Donc voilà, on a des regrets comme ça, bah parce que un livre il est abandonné, et à un moment donné on se dit c'est bon. Et puis quand c'est une telle force fictionnelle, quand c'est une telle puissance fictionnelle, on regrette parce qu'il y avait quelque chose à faire avec. Bon, c'est un petit regret, hein, c'est pas très grave, mais quand même je l'ai. Oui, On est passé passé aux aux choses. choses sérieuses, disons. Je me permets de citer quelques passages de votre roman. Je pense donc, je suis du discours de la méthode de Descartes est obsolète. C'est plutôt, je pense donc, je suis presque sûrement un programme. Descartes 2.0, pour reprendre une formule d'une topologiste du groupe. Cette topologiste même qui pose des questions très intéressante et passionnante. Est-ce que le fait que je n'aime pas le café est inscrit dans mon programme et ma gueule de bois d'hier, quand je me suis changé en éponge à tequila, elle est simulée elle aussi? Si un programme désire, aime et souffre, quels sont les algorithmes de l'amour, de la souffrance et du désir? Puis, est-ce que Hitler, la Shoah n'existe que dans notre simulation ou aussi dans quelques autres? Est-ce que 6 millions de programmes juifs ont été assassinés par des millions de programmes nazis, etc., etc. Est-ce que ce sont des questions sérieuses aussi pour vous personnellement? Quel est votre rapport à ces grandes questions en fait, qui sont posées par vos personnages? Parce que là vous reprenez un vieux topos en fait du théâtre dans le théâtre. Est-ce que nous ne sommes que des acteurs, ici en l'occurrence des programmes, n'est-ce pas? C'est le mythe de la caverne, c'est-à-dire Oui. c'est quelque chose qui a à voir directement avec la vision platonicienne des esclaves qui portent des statues, qui passent
et que dont des prisonniers observent les ombres. Enfin, c'est vraiment la vision en abîme de la réalité du monde. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'en plus, dans la vision platonicienne, on ne sait pas si ce sont des bougies ou si c'est le soleil. Enfin, c'est assez puissant de ce point de vue-là. Moi, ce qui me faisait le plus peur dans cette idée de la simulation, en fait, c'est la question religieuse. C'est-à-dire, est-ce que la simulation prévoit l'enfer? Pourquoi pas? Est-ce qu'elle prévoit une récompense pour ceux qui se sont bien comportés par rapport à la religion dans laquelle ils sont? C'est rien du tout pour une simulation de programmer l'enfer, hein. C'est juste projeter un programme dans la souffrance, c'est rien. Et ça peut durer des milliards d'années, puisque c'est pas le temps ne compte pas dans une simulation. Donc ça, c'était une idée un peu perverse qui m'était venue en rédigeant les questions de Mérédith. Et d'ailleurs, les questions de Mérédith, ce sont toutes des questions que je me pose, en fait, assez sérieusement, même si personnellement, je ne pense pas qu'on soit dans une simulation. Je ne pense pas ça, mais pour des raisons assez intimes, assez physiques, assez personnelles, j'ai vaguement l'impression qu'on est quand même des êtres biologiques. Plus on vieillit, plus on est confronté à des problèmes de dysfonctionnement corporel, plus on se dit que c'est quand même bizarre que ça soit si bien fait qu'on ait un vrai dysfonctionnement du genou, de la rotule, du dos. Voilà. Comment est-ce qu'on peut se déglinguer aussi fortement et que ça soit programmé par une simulation? Mais en dehors de cette plaisanterie, ce sont des questions sérieuses. La question de la simulation reste une question scientifique tout à fait valide, qui repose en fait sur une question probabiliste, sur le nombre de civilisations possibles, sur la capacité qu'on a à devenir hypertechnique. Mais je pense sincèrement que toutes les civilisations hypertechniques détruisent leur planète. De toute évidence, ça semble une capacité innée que nous avons à détruire la planète sur laquelle nous sommes. Donc je pense qu'on n'arrivera pas au stade hypertechnique, donc ça résout la question. Mais la question est de savoir si une autre civilisation serait capable de le faire, et à ce moment-là, si elle s'intéresserait à simuler d'autres civilisations, d'autres êtres, humains, pas humains, etc. Je pense que oui, je pense que nous-mêmes, d'ailleurs, commençons déjà à faire des simulations. Là, il y a une simulation qui a été mise au point il n'y a pas longtemps pour voir comment pourrait fonctionner un monde sans abeilles. Parce que la perte de diversité animale fait qu'on s'interroge sur la survie potentielle des abeilles. Et donc, à moyen terme, parce que les abeilles pollinisent à peu près les deux tiers des plantes à fleurs, comment est-ce qu'on survivrait sans? Donc, il y a eu des simulations qui ont fait qu'on s'est intéressé à un monde sans abeilles. Donc, on pourrait simuler, sans doute avec plus de puissance informatique, quelque chose. Moi, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question-là. Mais en revanche, sur le chapitre, les questions de Mérédith, ça fait partie de ces chapitres que j'ai éloignés de l'expérimental. Parce qu'au début, mon chapitre, les questions de Mérédith, il n'y avait que des questions. Et je me suis dit que pour un lecteur pas habitué aux démarches oulipiennes, parce qu'une démarche oulipienne pure aurait été d'avoir un chapitre uniquement fait de questions. Et j'ai voulu néanmoins faciliter le travail du lecteur et donc lui mettre des points de rupture, des introductions qui ne sont pas questionneuses, où on est dans une forme où il y a l'indicatif, où il n'y a pas de. Où c'est un style direct, etc. Et le mode interrogatif intervient de manière importante, mais pas systématiquement. Donc c'est un chapitre pour moi qui est justement la démonstration qu'on peut aller vers l'expérimental de manière douce. Parce que quand même, c'est un nombre de questions très importantes qui sont posées au lecteur. C'est assez rare d'avoir un chapitre où, sur une page ou une double page complète, il n'y a que des questions. Et formellement, c'est intéressant. C'est aussi très intéressant à faire au niveau formel. Donc c'est intéressant à lire au niveau formel et c'est intéressant à fabriquer au niveau formel. Parce qu'on se pose la question de comment faire qu'un lecteur peut accepter un tel flot de questions, un tel déversement d'interrogations. Et il faut que tout soit justifié. Et il faut que ça soit associatif aussi. C'est un travail sur l'associatif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on est dans sa psyché. Et elle avance, elle commence par se poser une question sur son café, puis elle commence à déborder sur autre chose, et puis elle repart sur autre chose, et puis pendant qu'elle y est, elle pense à quelque chose de nouveau, et à la fin, elle finit par arriver sur les dieux aztèques, qu'apparemment elle connaît très bien, que moi je connaissais beaucoup moins bien, parce que j'ai dû aller chercher les dons. Voilà, on est dans la psyché d'une femme qui s'interroge beaucoup. Et donc, comme je le disais, c'est une dimension de la non-expérimentalité dans l'expérimentalité.
Oui, sur le plan moins philosophique mais plus social, on peut dire que vous portez un regard plutôt critique, par exemple, sur votre patrie ou plutôt sur la réception de la France dans le monde. Parce que le président américain appelle le président Macron ce petit connard arrogant. Il y a un personnage qui hésite à avouer. Qu'elle veut devenir professeure de français parce que les Français on n'aime pas trop dans le monde. Et puis un regard très critique à l'égard des États-Unis, mais en général un regard très critique sur le monde contemporain. Il suffit de rappeler toutes ces thèses complotistes qui commencent à triompher aussi dans votre roman, ou bien ce que vous dites. À un moment donné, le message est flou, mais la liberté de penser sur Internet est d'autant plus totale qu'on s'est bien assuré que les gens ont cessé de penser. Est-ce que c'est votre diagnostic sur le monde contemporain? Oui, c'est un peu mon diagnostic. Mais en fait, je pense que c'est un long moment à passer. Voilà, il y a un moment à passer. J'espère qu'on va le passer parce que soit on le passe pas, soit on meurt. Soit on le passe, soit on meurt. Oui, je pense que les fake news ont généralisé. Je pense qu'il va falloir avoir beaucoup d'informations pour lutter contre la désinformation. Sur la vision des Français. Oui, je pense que je ne me trompe pas. Je pense que les Français sont perçus comme arrogants. Et je pense que Biden pense la même chose de Macron que Trump, d'ailleurs. Et tout le prouve. Je veux dire, ce n'est pas une caractéristique, d'ailleurs, de Macron. C'est une caractéristique des Français en général. On pense qu'on a raison contre le monde entier. On n'a pas complètement tort, hein. C'est-à-dire qu'on est quand même porteur de choses qui ne sont pas absurdes, qui sont la laïcité, un truc qu'on met sur le fronton des mairies, mais qu'on n'applique pas du tout chez nous, qui s'appelle égalité, liberté, fraternité. Mais sinon, oui, il y a cette dimension un peu d'arrogance du français qui croit qu'il sait tout, sous prétexte qu'il a été à un moment donné la patrie des Lumières. Mais ça fait un bout de temps qu'on n'est plus la patrie des Lumières. Donc c'est un peu dommage, quoi. Mais simultanément, j'ai toujours cette phrase en tête qui est que on peut dire qu'on n'est plus chauvin. Le jour où on n'a plus honte de ses compatriotes à l'étranger. Et moi, je suis encore un peu chauvin, parce que quand il y a des Français qui se comportent mal à l'étranger, j'ai honte. Alors que je devrais m'en moquer, puisque je ne me sens pas spécifiquement français. Mais je continue à avoir un peu honte, ce qui prouve que je suis encore français, tout va bien. Alors que quand des Américains se comportent mal, j'ai pas honte. Quand des Allemands se comportent mal, j'ai pas honte. Il n'y a que pour les Français où j'ai un peu honte. Donc ça veut dire que je me sens encore français. Ou j'aimerais en tout cas que le pays que je représente, ou que j'ai, enfin, pas que je représente, mais le pays auquel j'appartiens, enfin la nation auquel j'appartiens, se comporte un peu mieux à l'étranger, individuellement et collectivement. Voilà. Donc oui, ma vision du monde contemporain, pour arrêter de parler des Français, ma vision du monde contemporain, elle est assez noire. C'est-à-dire que j'ai l'impression, mais ce n'est pas une impression, que les inégalités ne cessent d'augmenter entre les riches et les pauvres. Les Pandora Papers sont là pour prouver à quel point les riches sont en train de tout faire pour échapper au lot commun et pour se créer un monde dans lequel ils pourront s'échapper. Mais ils n'y arriveront pas parce qu'on n'a qu'une seule planète. Donc ça va concerner tout le monde, le réchauffement climatique. Et puis s'ils ont besoin des pauvres pour survivre, ce qui est le cas des riches, hein, quand même, il faut bien le reconnaître, s'il n'y a plus de pauvres parce qu'ils sont morts, personne ne survivra. Donc je suis inquiet pour les fake news, je suis inquiet pour la montée des religions, je suis inquiet pour la baisse de l'instruction générale. Je suis toujours très inquiet lorsque je vois qu'un Américain sur deux 40% des Américains pensent que la Terre a été créée en 6 jours. Ça me fait peur, quoi. Et que 10% des Américains pensent que la Terre est plate, ça m'inquiète aussi. Donc il y a une sorte de baisse généralisée du savoir qui me fait peur. Une surpopulation, la surpopulation aussi m'inquiète. Enfin, je pense que, on est en train de prendre aucune mesure contre le réchauffement climatique. Donc, il n'y a rien de tout ça très réjouissant, quoi. Il me semble qu'aujourd'hui, il faudrait donner le droit de vote aux plus de 15 ans et le supprimer aux plus de 60.
Est-ce que ça serait... Ah non, mais moi je vote encore alors que je vote sur des décisions qui vont concerner mes enfants ou mes petits-enfants. Là maintenant, on est dans des situations telles qu'il faut arrêter de prendre des décisions à 10 ans. Il faut les prendre à 30 ans. Or, ce n'est pas moi qui vais prendre une décision pendant 30 ans. Donc il faudrait soit se trouver une situation qui pondère le vote des jeunes, qui leur attribue plus de valeur que le vote des vieux, soit interdire aux vieux de voter. Je suis, hélas, extrêmement sérieux. En plus, on voterait sans doute beaucoup plus à gauche, contrairement à ce qu'on croit, et ça revaloriserait le vote vis-à-vis des jeunes qui ne votent plus en France. Il n'y a plus de vote des jeunes en France. Une personne sur sept de moins de 25 ans s'est déplacée aux urnes aux européennes. Donc, une personne sur sept, c'est pas grand monde. Puisque le temps passe très vite et imperceptiblement, comme dans votre roman, nous devons terminer avec ce diagnostic qui n'est pas très optimiste, mais il y a un peu d'espoir quand même dans ce que vous dites. Merci Hervé Letellier, c'est un vrai plaisir Un vrai de pouvoir plaisir. parler avec vous. Merci Merci. beaucoup. Au revoir.